Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de ma benne terminée. Donc on a fait la porte, il y a des autocollants SECO, c'est mon père qui m'a ramené vu qu'il travaille à la SECO. Du coup là c'est tout terminé. Voilà. Donc là, cette manette là, ça ouvre la porte. Regardez. Là. On va aller la refermer. Donc la grande, elle là, c'est pour ouvrir la benne. Enfin, benner la benne et la porte. Donc, ça a toujours besoin d'aide. Très sympa. Puis on peut mettre pas mal de cailloux dedans, de sable, de tout ce que tu veux. Voilà. Donc la petite béquille aussi. Là, tu tournes là. Tu descends. Tu serres dans l'autre sens. Là, tu serres et ça tient. Donc je l'ai déjà chargé complète et puis j'ai serré la béquille et puis ça tient pas mal. Il y a des petites chaînes pour arrêter la remorque, enfin la benne. Là il a fait ça pour qu'elle rentre là-dedans, pour pas qu'elle se... Elle se décroche, il y a du lourd dedans, elle se décroche pas. On va refermer la porte. Puis le tracteur il avance en même temps bien sûr, bon, faut que je le mette à une vitesse. Ça va beaucoup mieux. Là, c'est le petit crochet qui retient la porte. Là. Donc, j'ai pas mal fait avec. Là, c'est. Là, il n'y a plus de peinture parce qu'en fait, des fois, quand je charge un peu trop à l'arrière, ben, elle fait ça, la remorque. Puis, quand je tourne, ben, ça arrache la peinture. Donc, voilà. Voilà, c'est tout. Enfin, je pense que j'ai rien oublié. Donc là il y a le tracteur pour aller vous abonner et vous verrez la vidéo présentation de mon tracteur. Vous allez la trouver. Donc abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Là c'est monté vite. Ouais, on est à 17 là, ou 18, je sais plus. Faut que je regarde. Mais ouais, franchement, c'est bien, ça me fait plaisir. Donc, mettez un like, un pouce bleu. Commentez, partagez, et abonnez-vous, ça fera plaisir. Et Donc, salut tout le monde.